Je t'inquiète l'émission, on est au concert d'MTM. Ce soir c'est Few NTM. C'est en première partie, MTM, Joël Attard, Michel Paul n'arrête aucune. Pas là. Ça se passe bien le concert de Michel Polnareff, pas d'embrouille. Non, c'est nickel. La liberté, égalité, fraternité, j'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a bien nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Donc on essaie de faire on essaie vraiment d'aller à la rencontre de ce public, de le rencontrer, etc. Et puis
je pense qu'il y a cette sincérité-là qui a fait que le public s'est, je pense, apprécié, adhéré au fait qu'on ne s'est pas contenté d'enregistrer un CD, un album, et de le sortir dans les bacs. On a enregistré un album, on a été faire une tournée dans laquelle on a organisé des rencontres avec le public, on a organisé des débats sur des thèmes comme la mixité, parce qu'il y a un morceau qui relève de ce thème-là sur mon premier album. D'accord, est-ce que tu as carrément animé des ateliers d'écriture comme ça se fait beaucoup on a vu par exemple d'autres artistes qui ont carrément une association et qui en plus de leur album vont à la rencontre de leur public comme ça, est-ce que tu as eu aussi cette démarche de faire des ateliers? Ouais, j'ai fait des ateliers. Ouais. J'ai dû en faire une quinzaine. Ouais. On va dire sur la plupart des dates que j'ai faites, j'ai demandé à faire des débats, des rencontres et faire des ateliers d'écriture. Donc on est arrivé, on faisait des ateliers d'écriture, on faisait des débats juste après avec des gens qui venaient se joindre, des personnes, on va dire, plus âgées, de différents profils, qui venaient se joindre au débat. Et après le débat, on jouait, quoi. À chaque fois, vraiment une journée assez, on va dire, une journée de mobilisation, on essayait de faire, quoi. Des journées de mobilisation, puisque des concerts, des simples concerts, quoi, tu vois. Et donc voilà, on a essayé d'amener ça sous une forme différente. Parce que moi, j'estime que le public, dans le public, on a affaire à des personnes qui apprécient l'artiste, qui vivent avec l'artiste. Des personnes qui, le matin, quand ils se lèvent, vont écouter ton CD, ils vont écouter tes paroles. Le soir, lorsqu'ils vont ils vont rentrer du boulot ou quoi, parfois dans leur voiture, ils peuvent écouter aussi ton album quoi, tu vois. Et donc, moi, il y a un type qui me disait, nous, ici, on t'écoute toute la journée, et quelque part, on a l'impression d'être avec toi, tu vois, on a l'impression de te connaître, tu vois. Ça rapproche énormément. Ouais, on a l'impression de te connaître, parce qu'on t'écoute toute la journée, on écoute tes paroles, tu vois, etc. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, en fait, c'est vrai, parce que quelque part, ces gens-là, ils se familiarisent avec nous, d'une partie... il y a une partie plus virtuelle, quoi, par rapport à l'album, par rapport au CD, etc. Donc je me dis, il y a une deuxième partie qu'il faut essayer de donner aussi, la partie venant de nous-mêmes, quoi, la partie concrète, la partie physique, où on va à la rencontre du public, où on va parler avec eux, la démarche qu'on fait lorsqu'on organise les rencontres, etc. Ça leur permet de voir vraiment qui on est, voir ce qu'on raconte, d'entendre plutôt ce qu'on raconte, de comprendre surtout notre démarche, etc. Et donc voilà, donc c'est aussi les bons côtés du boulot, quoi. Ouais, c'est les bons côtés du boulot, et puis... Aller tourner... En même temps, nous, lorsqu'on le fait, on n'estime pas simplement apporter, ça va pas, c'est pas unilatéral. On se dit pas, ouais, on arrive, on va leur dire des choses, on va leur donner des infos, on va les éduquer, non. Non, c'est vrai. Les gens nous donnent des infos, des choses que c'est... Ils nous informent, les gens. Ils nous informent sur des choses qu'on ignore, nous. C'est des choses qu'on connaît pas, sur quoi, quand on parle de la mixité, et que moi je rencontre une meuf qui me dit moi, personnellement je trouve que la mixité c'est pas très bien. Moi j'ai jusqu'au bout, donc je cherche à savoir pourquoi. Et quand je vois l'argument qu'elle me donne, quand j'entends l'argument qu'elle me dit, je me dis, c'est intelligent, parce que la meuf elle me dit ouais mais, tu vois moi j'ai une copine qui est sri-lankaise, moi je suis tunisienne, mais de temps en temps elle ramène des plats sri-lankais, je ramène des plats tunisiens, et puis si les gens... plus tard, c'est mélange trop, voilà, puis c'est... Tu vois c'est plus différent, ça, ouais, ça. Donc c'est son point de vue, je le respecte, même si je n'étais pas spécialement d'accord avec la globalité, mais c'est un truc intelligent, tu vois, c'est... Il y a une réflexion derrière. Mais après, tu n'es pas obligé de perdre ta culture parce que tu te rends compte que tu te confrontes à d'autres cultures. Exactement. Chacun peut amener un truc et vivre en harmonie avec chacun. Exactement, tu vois. Mais bon. Exactement, après, c'est un autre débat. Ouais. Et on te dit qu'il y avait des arguments qui étaient intéressants, quoi. Ouais, qui me donnent envie de débattre, qui donnent envie de pousser dans la réflexion. Comme lorsque j'ai rencontré une petite fille, tu me disais, ouais, parce qu'on avait fait un débat aussi sur ça, dans un collège à Martigues, il y a une petite fille, elle me dit, moi, je suis algérienne, mais je suis pas musulmane. Et donc, mes camarades, ils comprennent pas. Ils disent, si t'es algérienne, t'es musulmane. Et nous, faut t'en expliquer, tu vois. Derrière un pays, se cache pas forcément, ou pas spécialement, une religion. C'est vrai, d'une manière générale, les Algériens sont musulmans, mais elle était kabyle. Donc, à manger du porc, etc. Ouais. Elle s'appelait, elle avait un nom gros bœuf, quoi. Elle s'appelait, je sais pas, Jamila, ou je sais pas, tu vois. Mais ses camarades, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais attends,
Non, c'était Jamila, c'est des gamins, c'est au collège. Ça s'appelle Jamila, moi je kiffe pas, c'est un truc de ouf. Moi tu vois quoi, tu dis, toi tu dis, tu t'apprends la gamberge en fait. Ouais. Tu dis, ouais, ils sont dans leur tête, c'est, tu vois. Et puis dans les débats, tu vois, on essaie de d'enlever les amalgames, retirer Israël, juif, machin, tu vois. Ils soucient tout, quoi, les religions, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la nationalité, c'est... Tu vois, on essaie vraiment de... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était super intéressant, quoi, tu vois. Parce qu'à l'époque, moi, quand je regardais une TM à la télé, mon daron, il voulait m'éclater, cousin. Il me disait, qu'est-ce que tu fais, t'écoutes des voyous comme ça, nanana. Donc à l'époque, on était tout jeunes, on avait ces réflexions-là, et puis, en même temps, tu dis, bon, NTM, c'est... Déjà, là, on avait 14-15 ans, NTM, c'était déjà... Ouais, c'était très, très haut. Ouais. Donc nous, on n'avait même pas encore commencé à pouvoir enregistrer, à rentrer dans les studios, tu vois. Ouais. On s'imaginait pas que, voilà, tu vois. Mais après, c'est clair que, aujourd'hui, je veux dire, avec le travail qu'on a fourni, ça, c'est pas étonnant, quoi. Mais c'est très honorable. C'est très, très, très honorable d'être là. Mais comme quoi, le travail, ça paye, quoi, tu vois. Fait, le travail, ça paye. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Se construisent. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est fait comment, alors, la rencontre avec Joey, bon, il fait un feat sur ton album. Mais c'est lui qui est venu te voir pour la tournée d'NTM, ou comment ça s'est passé? À la base, j'ai la voix super. Niqué. Bon, à la base, Joey, il m'a invité sur son album. Sur son album Jaguar. Sur la réédition de son album. J'ai enregistré un titre avec lui. Ensuite... C'est Dadou qui l'a produit Ouais, c'est Dadou, je crois, qui était... Ouais. C'est Dadou qui avait produit le son. Ouais. Ouais, qui avait réalisé, qui était dans le studio. Ouais, tout à fait. Et donc, à côté de ça, je l'ai invité à mon concert parisien, au Bataclan. Je l'ai invité en guest, en invité surprise, il est venu. Il a fait une petite presta, une petite surprise au public. Ensuite, il m'a invité à sa première partie, à l'Olympia. C'était l'Olympia, le concert de son album Jaguar. Ouais. Ensuite, après, voilà, on s'est envoyé la balle comme un match de ping-pong, hein, tu vois. On s'est retrouvé sur mon album. Ensuite, on s'est retrouvé en première partie après la formation de TM, première partie, voilà. Ouais. Et tout s'est fait de fil en aiguille, quoi. Donc ça tombe bien, quoi. Toi, tu prépares ta tournée. Ça tombe bien, tu vois. Ça te fait un bon... À la base, je l'ai fait parce que j'estimais, j'ai invité Joey Star, simplement. J'aurais très bien pu inviter Kouchen aussi. Ouais. Mais Kouchen, il, à ce moment-là, il n'écrivait plus trop, etc. Il a pris beaucoup de recul par rapport au rap. Donc, il était plus trop dedans, quoi, après, pour ses raisons personnelles et tout. Et puis, donc voilà, parce que vraiment pour le symbole, c'est important de... Parce que je dis pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va plutôt, il faut savoir d'où on vient, tu vois. Et ces gens-là, ils ont montré la voie. Donc c'est pour ça que j'ai invité Joey Star sur l'album, en me disant, voilà, c'est important d'inviter des groupes comme ça, que je pense que le fait qu'on soit issu du même département, c'est énormément joué. Et en même temps, il y a aussi... Il y a cette même tendue aux différents artistiques. C'est nous, on a aussi effectué, comme je dis, un travail au sein du paysage rap. Tiens, on a un paysage hip-hop, on a fait un travail, on est monté petit à petit. On a essayé d'avoir quand même une crédibilité. Et je pense que quelque part, c'est une façon de nous féliciter aussi. De dire que voilà, on est issu du même département, du même coin. Et on a, voilà quoi. Je pense que quand ils nous voient, ils se disent... La relève. Voilà. Alors on n'est pas les seuls à être sortis d'ici. Et je pense que peut-être on doit leur faire penser à certaines choses, quoi, certaines choses qu'ils ont vécues à une certaine époque. Puis ils apprécient peut-être ta musique aussi, non? Ouais, il y a la musique, après c'est un tout, quoi, tu vois. Ouais. Après je pense que ce qui est le plus important, c'est le côté humain. Ouais. Humainement, c'est important qu'il y ait un feeling, tu vois. Ouais. Après il y a le talent et tout, mais humainement c'est important, tu vois. Humainement on s'entend bien. Un point de vue artistique, on a des propos qui sont assez, voilà quoi.
etc. On essaie de faire pousser les choses et puis ils ont cette démarche-là aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton dernier opus? Ouais, plein de choses, mais moi... Le message le plus fort. Le message le plus fort qui, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de dire par rapport à cet album, c'est que aujourd'hui, il faut arrêter avec des thèmes, tu sais, les thèmes politiques, les thèmes proposés par certains pouvoirs politiques, comme la discrimination positive, l'immigration choisie, etc. Aujourd'hui, pour moi, c'est des thèmes qui n'auraient plus d'actualité parce que ça nous amène à nous diviser à certains moments. Parce que aujourd'hui, on parle d'intégrité, d'intégration, etc. Mais le vrai problème, c'est que d'un point de vue sociodémographique, on est super. Il y a une forme de ghettoisation, c'est-à-dire tout le monde vit en réclusion, chacun vit dans son coin, etc. Et aujourd'hui, des thèmes comme la discrimination positive ou l'immigration choisie sont des thèmes qui accentuent cette division. En pensant aller vers une évolution d'un point de vue des minorités visibles, etc., on va vers une division. Et vers une discrimination. Etc. Et la discrimination positive, pour moi, c'est un gros amalgame qui est prononcé par des intellectuels. Les gens qui ont fait l'ENA, les gens qui ont été à l'école, qui ont des études, des bacs. Ça vient déjà des États-Unis à la base. C'est des États-Unis. Et puis aujourd'hui, c'est repris en Europe par des intellectuels qui font passer ce message à des médias des hautes sphères, des grands médias, et ça a un impact. Et puis aujourd'hui, faire passer des messages comme ça, en sachant l'impact que ça peut avoir, des messages pour moi qui sont super diffamatoires. Aujourd'hui, pour moi, bah, c'est parce qu'il y a une discrimination positive pour moi. Il n'y a rien de positif dans de la discrimination, tu vois. Mais faire passer des messages comme ça, pour moi, c'est très grave. Tu vois, en sachant le pouvoir qu'ils ont. Et ça rentre dans la tête des gens et ça conditionne les gens, tu vois. Et puis, la discrimination positive, c'est quoi? Ça veut dire, moi, je m'appelle Bernard, toi, tu t'appelles Moussa. On a grandi ensemble, on est des potes, on a grandi ensemble, on est là, machin, on a fait nos études, ça se passe bien. Et arrivé à un stade, toi, c'est-à-dire que toi, on va te foutre dans une case et lui, on va le mettre dans une autre case. Dans une tête, dans une voie plus simple, et toi, on va te mettre dans une voie plus difficile, sans vouloir. Et indirectement, ça va créer dans la tête de l'autre une forme de rage, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire qu'on nous divise à notre insu, alors qu'on est ensemble, etc. Il y a une division qui est faite à notre insu. Tu vois. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est la chose que j'aimerais que... Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, aujourd'hui, on va... Pourquoi... je dirais qu'on va créer un pourcentage de réussite pour tel ou tel type de personne, tel ou tel profil, et que tel ou tel profil de personne a un accès plus rapide, plus simple. Pourquoi on va mettre... Pourquoi on parle de... Aujourd'hui, je vais te poser une question pour toi, Ali Rosenwald. C'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui est là parce qu'il a du talent avant tout. Tout à fait, il est compétent. Mais pourquoi il est compté dans le quota? Pourquoi on le met dans... Pourquoi il est compris dans ce quota de minorité visible qu'on met parce qu'on estime que machin... Aujourd'hui, les gens doivent être jugés en fonction de leur performance, leur capacité à... Et non pas par rapport au fait que là, il faut mettre tant de personnes, il faut mettre... Il faut mettre un peu de sel là, il faut mettre un peu de poivre, il faut mettre un peu de poisson. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont des capacités. C'est tous les gens qui répondent à la tâche de la façon la plus efficace possible. C'est tout. Tu vois? C'est tout pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, tu vois. Okay, non, mais ça commence à évoluer parce qu'il y a des gens qui ont une autre vision qui arrivent. Parce que c'est vrai que nous. Nos parents sont arrivés dans une France qui est assez conservatrice. Ben ouais. Tu vois, après ça a évolué. C'est évolué parce que la France, elle a appris à évoluer avec les Portugais, avec les Italiens, avec les Algériens, avec... Ils ont quand même parqué la plupart de leurs immigrés. Ils les ont parqués, mais ils ont aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui sont venus ici, si on les a installés là et qu'on les a parqués, qu'on les a gardés, c'était pour un but bien précis et pour des... C'était pour un but économique. Pas but économique, c'était pas pour moi, c'était... Aujourd'hui, ils sont arrivés là pour une certaine capacité physique à... Ils ont une force ouvrière, une force de travail. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et en même temps, leur donner des garanties. Et ces garanties-là, il faut les respecter, tu vois, tout simplement. Et puis,
en même temps, parce que je dis que c'est quand même, il faut regarder le côté positif, c'est qu'il y a une forme aussi de melting pot qui s'est créé. On est ces différentes origines, ces différentes nations. Et puis, quelque part, ça crée différentes opportunités, parce que aujourd'hui, tu as le fils d'un Portugais qui travaille chez là, tu as le fils d'un Italien qui travaille là, tu as le fils d'un Malien, le fils d'un Algérien, d'un Marocain, d'un. Tu vois ce que je veux dire, d'un Japonais. Donc aujourd'hui, t'as ce. Dans le monde du travail, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez différents, qui sont là et qui font évoluer les choses. Et qui essaient de montrer que, voilà, on est tous, malgré qu'on ne soit pas de la même couleur, malgré qu'on n'ait pas les mêmes. Qu'on n'ait pas les mêmes origines, on a la même nationalité, tu vois. C'est pour l'émission, t'inquiète, en live du 31, ma couille.